Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est assez grave. Je dois vous l'avouer, il s'est passé un truc vraiment pas cool dans notre vie. Là je suis avec le cousin relou, vous allez comprendre pourquoi il est là. Il nous a sauvé la vie, franchement c'est incroyable. Hier soir on était avec Lily Rose, on était dans, voilà, au même endroit dans sa chambre comme ça. Et là on a entendu un gros bruit en bas. Un énorme bruit comme une porte qui se casse en deux, tout ça. Et là on a vu quelqu'un rentrer chez nous. Il a couru après nos chats et il a réussi à attraper, parce qu'on a deux chats pour ceux qui ne savent pas, il a réussi à attraper notre chat noir. On a deux chats, bah regardez, il y en a un qui est là. Il est justement ici. Regardez, on va le laisser tranquille parce qu'il a vraiment peur depuis hier soir. Ouais, il est terrifié le pauvre. Ouais, il a vraiment peur, là, il est terrifié. Et en gros, c'était quelqu'un habillé tout en noir. Il a pris notre chat noir. Il est reparti avec et il a voulu prendre le deuxième chat, sauf que heureusement ce chat là court beaucoup plus vite. Regardez là, ça se voit qu'il est vraiment fatigué. Il court beaucoup plus vite. Il est allé se cacher sous un meuble. Donc après nous on a viré le voleur quoi. Sauf que là on a appelé le vétérinaire. Il faut vraiment aller voir le vétérinaire avec ce chat, le chat qui nous reste du coup, avec Murphy, pour voir si tout va bien, s'il a pas eu trop peur, s'il s'est pas cassé quelque chose. Même je suis inquiet pour Motus quand même. Ouais, c'est vrai qu'il bouge plus beaucoup. Bon vas-y, mets-le dans la cage de transport. Et du coup les amis, c'est ça qui nous gâche un petit peu la vie depuis hier soir. C'est que notre chat noir du coup Motus n'est plus là. On ne sait pas si elle a réussi à s'enfuir du voleur, si le voleur l'a amené chez lui. On ne sait pas si elle est dans la rue, tout ça. Donc cette nuit, on a passé tout notre temps à la chercher. Voilà. Bon, en plus, on n'a même plus regardé la grille pour la cage. Mais bon, là, je pense qu'il a pas envie d'être enfermé, honnêtement. Avec ce qui s'est passé hier, vaut mieux le laisser comme ça. Mais bon, là, on va devoir prendre la voiture. Et par contre, il y a un truc qui est trop bizarre. Vous allez voir, les amis, il ne restait qu'un seul vétérinaire dans toute la région parce qu'ils n'avaient plus de rendez-vous. Et il reste qu'un seul vétérinaire et c'est le moins bien noté. Il a une seule étoile sur 5. Enfin bref, j'espère que ça va bien se passer quand même. De toute façon, il faut aller voir parce que regardez. S'il reste dans la cage alors que c'est ouvert, c'est que vraiment ça va pas terrible. T'inquiète pas, on va retrouver ta soeur. Allez. On va retrouver sa soeur. Bon, vas-y, prends la cage. Ouais. Et on se dirige direct vers la voiture. Et pourquoi je dis que c'est le cousin relou qui a sauvé? Parce que c'est lui qui est descendu en premier, parce que moi je pensais que c'était juste un truc qui était tombé par terre, un truc qui s'était cassé, voilà, des fois les chats ils cassent des vases, des trucs comme ça. Et c'est lui qui a pensé à descendre et il a vu le voleur, il nous a appelé. Sans lui, ça tombe, les deux chats seraient partis avec le voleur, ou on les aurait peut-être pas retrouvés. Heureusement que j'étais là. Ouais, heureusement que t'étais là, regardez. Ouais, il aime pas être transporté, c'est normal. Bon allez, direction la voiture, on va pas perdre plus de temps. Allez, on y surtout va. Surtout qu'on doit chercher Motus aussi. Ouais. Voilà, c'est bon, on est en train de le placer dans la voiture. Et bon, fais attention qu'il ne s'enfuit pas. Ouais, je ferme la porte. Allez, vas-y, vas-y. Et voilà, je reprends la vidéo parce que Lily Rose et Peppa Pink sont partis dans toute la ville pour mettre des affiches pour notre chat noir. On a réussi à récupérer des photos, etc. Où on la voit bien. Le problème, c'est qu'un chat noir, des chats noirs, il y en a partout. Donc on sait pas si on va réussir à vraiment le récupérer. Donc on est très inquiet, à moins de retrouver le voleur. Si le voleur est parti avec le chat et que le chat est avec lui. En tout cas, on a prévenu la police, ça c'est sûr et certain, vous inquiétez pas. Le chat est à tes pieds d'ailleurs, Esteban. Ouais, le chat est à mes pieds, oui, bon, ouais, t'inquiète pas. Il est là, regardez. Regardez, il se balade dans la voiture. Ça va, tu reprends un peu du poil de la bête après ce qui s'est passé hier? Ouais, il est pas habitué à la voiture, forcément il va fouiller partout. On va retrouver ta soeur. Là par contre, toi tu dois aller chez le vétérinaire, d'accord? J'espère qu'il sera bien, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, il est très mal noté. Mais bon, allez, c'est parti les amis. Poète poète, en voiture Simone. C'est bon, on va pouvoir rentrer. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Bonjour. Oula, c'est quoi ça? Bonjour. Bonjour. Ah, des clients, ça va? Oui, non mais oui, on va très bien et vous? Ça va, ça va. Attendez, je pose mon chat à la tête. Oui, non mais... Qu'est-ce qu'il y a? Il me fait penser au voleur. Comment ça, il te fait penser au voleur? Bah celui qui a appris Motus. Mais le voleur, il était en noir et tout. Mais il a tête, regarde. Non, lui. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il est là? Il va bien. Non, mais vous allez l'ausculter. Ah bah oui, mettez-le sur la table. Attends, mets-le sur la table là. Attends, regarde le chat là-bas. Donc c'est quoi ça? Motus? 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 Mais c'est Motus? Non mais... Non, c'est mon chat ça. C'est votre chat ça? Oui oui oui, je l'ai récupéré, je l'ai trouvé dans la rue. Vous êtes sûr? Oui, qu'est-ce que c'est? Non non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Non, attendez. Bon, commencez à ausculter notre chat. Il est où? Ah, il est là. Commencez. Qu'est-ce qu'il a? Il a mangé trop souris. Oui, on va vous expliquer. Elle est avec nous en plus. Attends, regarde la caméra. Montre-la à la caméra. Les gens, ils vont peut-être voir directement que c'est notre chat. Attends, retourne-le, prends-le. Retourne-toi. En plus, regarde, il se laisse faire. Il nous connaît. Mais oui. Il nous a reconnus, c'est sûr. Bon, bah là les amis, en fait, ce que tu dis c'est peut-être pas bête, ça tombe, le voleur de chat, c'est le vétérinaire. Mais il va vouloir voler Murphy alors? Ouais, mais ça tombe, il va vouloir, quand lui laisse l'autre. En plus, il y a... Ah, non, regarde, ils veulent partir. Pourtant lui, il voulait rester tout le temps, il voulait tout le temps rester dans la cage, là, ils veulent s'enfuir. Attends, je vais l'écouter. Non mais, vous êtes sûr que vous êtes vétérinaire, monsieur? Bah oui, bien sûr, je soigne les chats, je soigne les chiens. Votre tête est très bizarre. Je soigne les poissons, les canaris. Les serpents, d'ailleurs, j'ai un petit serpent ici. Oui, moi j'ai vu le serpent. J'ai qu'est-ce serpent. Que c'est ça? C'est un beau chat peut-être? Ah, ça c'est un vieux chat. C'était mon vieux chat il y a 10 ans. Bon, je le garde avec moi. Écoutez, je pense qu'on va reprendre le chat parce que finalement il a plus de problème. En fait, il s'était cassé une patte, mais là on voit qu'il recommence à courir, donc ça a l'air d'aller. Il avait mangé trop de souris. Oui, il avait mangé trop de souris, vous inquiétez pas. Bon, allez, on va le remettre dans sa cage. Non, mais, et ce chat-là. Allez à votre bureau, je vais vous payer. Je vais l'écouter. Voilà. Asseyez-vous à votre. Non, mais il va très bien. Bon, bah ça va, oui, ça va. Asseyez-vous à votre bureau. Asseyez-vous à votre bureau. Asseyez-vous à votre bureau. Allez-y, monsieur, allez-y. Bon, vas-y. Mets-le dans la cage. Oui. Alors, il faudra lui donner un petit poisson. Un petit poisson. Et des croquettes au poulet. Et des croquettes, ok. Au poulet? Au poulet, ça marche. Allez. D'accord. Il faut caresser sa patte. Ça marche, monsieur. Surtout, allez. Merci beaucoup pour votre présence. On repart avec le chat. Bon courage. On espère que vous allez très bien et que tout va très bien se passer pour vous. Vite, partez, vite. C'est bon, on a pris tous les chats. Bon, nous voilà de retour à la maison. Avec évidemment le chat, c'est bon. Le chat noir, il s'est mis dans un coin au sous-sol, c'est normal, il a peur, hein. Il a encore peur de ce qui s'est passé. Donc on avait des doutes, mais c'était bien le vétérinaire qui était en vrai le voleur de chat, comme par hasard. C'était très bizarre d'ailleurs de découvrir ça. Mais bon, tout se passe pour le mieux, on a réussi à repartir avec tous nos chats, avec nos deux chats. Donc ça, c'est cool. Le chat noir a couru dans la rue et tout, mais bon, après il s'est arrêté, on a pu le rattraper. Donc là, je pense qu'il est encore, en bas. Ouais, il est encore en bas. On va aller le voir. Mais normalement, ça va. Il va plutôt bien, à part le fait que il a un peu peur. T'es où, Motus? Motus. Bon, tant pis, elle n'est pas là. Bon, les amis, vous la verrez dans une autre vidéo, ne vous inquiétez pas. Cliquez sur une vidéo qui apparaît sur votre écran. Et si ce n'est pas le cas, abonnez-vous au moins, ou on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!